Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Okay. Jananam sukadham maranam karunam milanam maduram smaranam karunam Kalevashyadiha sakalam karunam samayadipate akilam karunam. Namaskaram. L'une des inquiétudes principales avec ce virus dans ce pays, c'était les pauvres parmi les pauvres, ceux qui doivent survivre quotidiennement avec des revenus quotidiens. Eh bien, fort heureusement, aujourd'hui, le gouvernement central a promulgué un ensemble élaboré de mesures pour leur venir en aide pendant 3 mois. Les agriculteurs, les travailleurs, ceux qui travaillent dans le bâtiment, divers types de mesures. Cela ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître. Ça veut au moins dire que ce segment de la population n'est pas condamné à la famine. Mais il pourrait tout de même y avoir des gens qui vont être oubliés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'entrent dans aucune de ces catégories. Pour ces gens, leur nombre pourrait être faible, mais ça pourrait quand même représenter beaucoup de gens. Dans ce cas seul, la communauté peut intervenir. J'appelle tout le monde, où que vous soyez, en particulier tous les bénévoles d'Isha, partout dans le monde, en particulier en Inde, si vous voyez quelqu'un qui se dirige vers là, nous devons nous engager à ne pas permettre à la famine de devenir une source de souffrance et de mort. Si nous voyons que quelqu'un se dirige vers là, nous devons voir comment leur venir en aide, soit par nos propres moyens, soit en attirant l'attention de quelqu'un d'autre. J'appelle tous les volontaires à veiller à ce qu'au moins 2 personnes, vous pouvez vous en occuper si de telles situations surviennent. Dans la première ou même jusqu'à la seconde semaine, ça pourrait aller. C'est vers la 3e semaine
que ces personnes pourraient véritablement commencer à souffrir. Heureusement, le gouvernement a créé des mesures élaborées pour toutes ces personnes, mais il pourrait tout de même y avoir des gens qui ne vont pas être aidés par ça. Nous devons prendre soin d'eux. Eh bien, pour comprendre la gravité de la situation, le ministre de la Défense a demandé à l'armée indienne de se tenir prête. C'est la gravité de la situation. Parce que le danger, c'est que les gens, après 3 ou 4 jours, disent « Je n'ai rien eu, je ne crois pas à ce virus, où est-il? Montrez-le-moi. » C'est exactement comme les questions spirituelles que les gens posent, « Où c'est? Montrez-moi. » Donc on ne peut pas vous le montrer jusqu'à ce que vous l'attrapiez. C'est une expérience. Si je vous dis « Faites Shambhavi, vous allez être en extase. Montrez-moi où est l'extase, où est-elle? Où est-elle? » Eh bien, ce n'est que lorsqu'elle vous attrape que vous la connaissez. De même, avec le virus, ce n'est que lorsque vous l'attrapez que vous savez qu'il existe. Jusque-là, vous pensez que c'est une histoire. Ce n'est pas une histoire. Ça peut devenir une histoire désastreuse si l'on ne se comporte pas bien. Ce n'est ni entre mes mains, ni entre les vôtres. C'est la responsabilité de cette génération de s'assurer que l'on n'aille pas dans cette direction. Voyez, dans ce pays, les gens ont l'habitude d'utiliser un langage élogieux pour décrire les gens de la génération précédente qui ont combattu pour la liberté du pays, envers et contre tout, en risquant leur vie. Ils se sont battus et la nation a été libérée. Lorsqu'on parle des combattants de la liberté, on en parle toujours en des termes élogieux, ce qui est fantastique. Mais qu'allons-nous faire en tant que génération? La question se pose, parce que nous sommes encore en vie. Comme nous sommes encore en vie, il y a encore des choses à faire. Maintenant, un défi est apparu, un ennemi invisible, un adversaire que vous ne pouvez pas voir, avec lequel, après quelques jours, vous commencez à vous demander « Je ne crois pas qu'il existe, tout ça c'est une conspiration. Quelqu'un se fait de l'argent, il va se passer ci, il va se passer cela. » Vous savez, ça commence déjà. 2 jours, ça les gratte. Ils ne sont pas capables d'être chez eux, donc ils commencent à exprimer leur folie. Donc, ils ont mis l'armée en attente. J'espère qu'ils ne vont pas devoir occuper les rues. J'espère que les forces de police seront capables de gérer ce qu'elles doivent gérer. Par-dessus tout, j'espère que nous, en tant que citoyens, allons arriver à gérer cela nous-mêmes sans aucune force. Je dis cela parce que la façon dont la prochaine génération va nous regarder pourrait être déterminée par cette seule tranche de temps, cette période du corona. Va-t-on naviguer à travers celle-ci avec succès ou va-t-on se conduire au désastre? Les estimations que font les institutions internationales sur ce qui pourrait se passer, si ça devient incontrôlable, sont trop horribles pour même en parler. En particulier, l'Organisation mondiale de la santé place cette responsabilité dans les mains de l'Inde. Jusqu'ici, nous avons exceptionnellement bien géré cela, à vrai dire. Mais à partir de maintenant, c'est entre les mains des citoyens. L'administration fait tout ce qu'elle fait, des mesures financières, des modifications fiscales.
Mais sans la coopération de chaque être humain vivant ici, ça ne marchera pas. Donc, à mesure que les jours passent, les gens pourraient se conduire à la frustration. Les gens pourraient commencer à comprendre quel bazar ils sont et qu'ils ne savent pas gérer cela. Pour ceux qui sont sur le chemin spirituel, être seul, rester à une certaine distance des gens, devenir silencieux, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités. Mais la plupart des êtres humains ne sont pas dans cette sphère de la vie. Ils vont avoir du mal. Nous cherchons à voir comment leur proposer diverses solutions de façon très simple. Mais l'important est simplement ceci. Ceux qui se disent chercheurs spirituels doivent être super vigilants et prêts à sortir et à faire ce qui est nécessaire, si ça devient nécessaire. Ceux d'entre vous qui pensaient vivre dans le confort du centre Isha Yoga, à l'heure actuelle, l'endroit le plus sûr pour vivre. J'ai proposé cela au gouvernement du Tamil Nadu, que si les choses deviennent incontrôlables, que tous les hôpitaux sont pleins, ils peuvent utiliser nos locaux. Parce que c'est dans des périodes comme celle-ci que la vie va nous faire voir quel genre de personnes nous sommes. Quand tout va bien, tout le monde est fantastique. Quand nous sommes face à des défis, c'est à ce moment-là que qui nous sommes compte vraiment. Quand je dis qui nous sommes, la question fondamentale est simplement celle-ci. Sommes-nous le genre de personnes qui faisons toujours partie de la solution ou faisons-nous partie du problème? C'est tout ce que nous devons décider. J'ai décidé. Je veux que chacun d'entre vous, où que vous soyez, dans n'importe quel endroit du pays ou du monde, je veux que vous preniez tous cet engagement là tout de suite, dans les quelques prochaines semaines, qui sont un véritable défi pour l'humanité, en particulier pour l'Inde. Vous devriez faire partie de la solution, pas du problème. Cette position, tout le monde doit l'adopter. Cet engagement, tout le monde doit le prendre. C'est très très important. Je suis sûr qu'il y a des questions. Sadhguru, cette question vient d'Anjali. Namaskaram, Sadhguru. Dans l'une de vos citations, vous dites qu'on ne devrait pas juger de l'évolution spirituelle d'une personne à partir de son comportement. Je n'arrive pas à comprendre cela, parce que j'ai toujours pensé que les gens qui sont bons et bienveillants sont spirituellement avancés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à comprendre le contexte de cette citation? Eh bien... Vous voyez, à une époque, à un certain moment de la période où j'allais à l'école, je ne peux pas appeler ça mon éducation, mais de la période où j'allais à l'école. J'étais dans un certain genre d'école où les sciences morales étaient une partie importante de l'enseignement. J'étais dans des écoles missionnaires. Donc, ils essayaient toujours de nous enseigner trois mots magiques. Non, non. Non, non, non.
Vous devez attendre que je tousse une deuxième fois en 30 secondes. Ça n'arrive pas. J'ai été testé et certifié, ok? Les mots magiques. Je suis sûr que vous êtes tous passés par ces mots magiques. Quels sont les mots magiques? Quoi? Non, ce n'est pas dans le bon ordre. Pardon n'est pas le bon ordre. Qu'est-ce que vous préparez? Pardon n'est pas le premier. S'il vous plaît. Pardon et merci. Eh bien, vous pouvez apprendre de telles astuces. Je ne dis pas que vous ne devriez pas les dire. Si la magie opère en vous et que ces mots sortent, c'est fantastique. Pas de magie en vous. Vous avez juste retenu les mots. Vous avez le sentiment d'avoir des droits. Mais vous dites « s'il vous plaît », ça ne veut rien dire. Il est préférable qu'au moins vous montriez qui vous êtes. « Oh, est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît ?» Et vous vous en emparez de toute façon. Je vois ça tout le temps. Et ensuite, vous frappez quelqu'un dans le dos, et puis vous dites « pardon ». Ça ne veut rien dire. Vous prenez ce que vous voulez à quelqu'un, et ensuite vous dites merci, comme s'il vous l'avait donné. Non. Ces choses sont censées représenter que vous n'avez pas le sentiment d'avoir des droits. Vous comprenez que rien ne vous appartient vraiment ici. Donc, même si vous voulez un verre d'eau, vous dites s'il vous plaît. Si vous voyez véritablement les choses comme ça, même un verre d'eau ou un morceau de nourriture ne vous appartient pas. Par chance, il est disponible pour vous. Donc vous dites « s'il vous plaît ». Merveilleux. Dans tout ce que vous faites, peut-être que vous blessez quelqu'un, peut-être que vous écrasez quelque chose, consciemment, inconsciemment. Donc, même si quelqu'un ne fait que vous regarder et vous dites « pardon, que se passe-t-il ?» Si vous vous sentez comme ça, et merci, parce que vous avez un sentiment de gratitude pour tout ce qui croise votre route de façon authentique, donc peut-être que le mot va venir ou ça va peut-être s'exprimer autrement. Ce qui devrait être de la magie en vous n'a lieu que dans votre comportement. C'est ça la tragédie des sociétés moralistes. Elles font tout bien, mais rien de bien ne leur arrive. Donc notre comportement ne détermine pas notre niveau de conscience ou notre évolution ou notre transformation. Si vous avez un certain... Ce qu'évolution spirituelle veut dire, c'est que, à partir d'un individu dur comme du béton, vous devenez un peu plus poreux et devenez plus inclusif. À partir de votre sens de l'inclusion, vous allez peut-être faire bien des choses. Si les choses ont lieu à partir de votre sens de l'inclusion, si votre douceur, votre nature aimante viennent de votre sens de l'inclusion, c'est fantastique. Mais si c'est une formule que vous avez apprise, en sachant qu'en disant ces choses, vous allez obtenir ce que vous voulez, à vrai dire, c'est comme ça que ça nous était enseigné à l'école. Faites cela, utilisez ces trois mots magiques, ça va marcher pour vous. Donc, allez dire s'il vous plaît, et dès que vous avez obtenu quelque chose, vous vous retournez et dites autre chose. C'est ce qui se passait autour de moi. Donc,
Votre comportement ne détermine pas qui vous êtes. Les gens peuvent cultiver un comportement, mais qui ils sont, cela demande une transformation. La transformation, c'est essentiellement que votre sens des frontières que vous aviez vis-à-vis de vous-même, ça, c'est moi. C'est élargi. C'est tout ce qu'est la transformation. La transformation ne concerne pas le comportement en société. La transformation, c'est que si vous êtes assis ici, ce qui était moi n'était que ceci. Maintenant, ce qui est moi est bien plus grand que ça. C'est tout. À partir de là, quelle que soit la façon dont vous vous comportez, ça me va. Mais il doit y avoir de l'inclusion. Parce que l'inclusion est mieux qu'une assurance. Une fois que vous voyez quelque chose comme une partie de vous-même, alors, qu'est-ce que ça fait? Merci et s'il vous plaît et pardon et les trucs comme ça. Ça n'a pas d'importance, parce que quand vous voyez l'autre comme vous-même, je traite tout le monde comme je me traite moi-même, durement. Si je me traitais gentiment comme ceci, je vous aurais aussi traité comme ça. Comme je me traite durement, vous aussi, je vous traite durement. Ok? Ou vous voulez que je sois gentil? S'il vous plaît, je le dis dans les programmes pour débutants, je dis toujours s'il vous plaît, fermez les yeux. Allô? Oui, je le fais. Comme je sais que vous avez des difficultés à fermer les yeux, je dis s'il vous plaît, fermez les yeux. Vous arrivez pour Samyama? Et là aussi, vous voulez que je dise s'il vous plaît? Je dis juste, bouclez-la et asseyez-vous. À ce moment-là, normalement, vous avez compris la valeur de la chose. Là, tout de suite, ce n'est que le deuxième, troisième jour du confinement. Le premier jour, vous n'aviez pas compris. Maintenant, vous devriez avoir compris ce que ça veut dire. Maintenant, on ne peut pas dire, s'il vous plaît, maintenez une distance de 2 mètres. On va avoir un bâton de 2 mètres et vous poussez comme ça, parce que si en 3 jours, vous n'avez toujours pas compris ce que sont 2 mètres... Allô? Pas besoin de 3 jours pour comprendre ce que ça fait 2 mètres, même si vous êtes illettré, vous pouvez comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être fort en maths. Donc, maintenant, le gouvernement prépare l'armée, juste au cas où vous ne compreniez toujours pas ce que sont 2 mètres. Oui. Ceci s'est passé. Que s'est-il passé ? Donc un jour, Shankaran Pillai rentre chez lui. Sa femme se plaint de leur garçon de 12 ans. Il ne m'écoute pas, il faut que tu t'occupes de lui, tout de suite. Donc Shankaran Pillai part à la recherche du garçon. Le garçon était caché dans le jardin. Il l'attrape par les oreilles et lui dit, « Espèce d'andouille, tu te crois meilleur que moi ?» À ne pas écouter ta mère? Donc, votre comportement. Si vous voulez être en société, oui, bien sûr, vous devez réguler votre comportement parce qu'il ne s'agit pas que de vous, il s'agit de tout le monde autour. Mais le bon comportement que l'on recherche n'est pas nécessairement de dire certains mots, de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses, non. Ce qu'on cherche, c'est que lorsque vous entrez dans ce hall, il y a 50 personnes assises là. Votre préoccupation, à chaque respiration et à chaque pas que vous faites, vous préoccupez-vous de ces 50 personnes ou uniquement de vous? C'est tout ce qui compte.
Si vous vous préoccupez des 50 personnes qui sont assises ici, alors vous vous comportez d'une certaine manière. Si vous n'êtes préoccupé que par vous-même, alors vous vous comportez d'une autre manière. C'est tout ce que vous devez fixer. Le processus spirituel n'est pas une chose sociale, c'est quelque chose que vous faites en vous-même. Comme quelque chose en vous a changé, vous pourriez aussi aborder le monde d'une certaine manière. Tout un tas de gens spirituels, des êtres humains immensément évolués, n'avaient aucune compétence sociale. C'est la raison pour laquelle ils se tenaient à l'écart de la société. Vous avez entendu parler de Sadhguru Sri Brahma? Il n'avait aucune compétence sociale, beaucoup d'ennuis. Cette fois-ci, on arrive avec quelques compétences sociales. Oui, je m'en sors bien. Il y a encore quelques frictions avec certaines personnes, mais elles sont toujours présentes. Cela montre que l'on est sur la bonne voie, que l'on fait ce qu'il faut dans le monde. Parce que si ces personnes chantent vos louanges, alors vous êtes sûr qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans ce que vous faites. Donc, il ne faut pas forcément juger du degré d'évolution spirituelle de quelqu'un à partir de son comportement. Maintenant, ne prenez pas ça pour une autorisation à vous comporter de façon irresponsable en disant « je suis spirituel ». Cette tribu aussi existe dans le monde. Comme ils sont spirituels, ils pensent que tout le monde est censé les comprendre. Ils vont faire des choses bizarres, tout le monde est censé comprendre. Non, non, ce n'est pas ça, parce que processus spirituel veut dire que vous n'êtes pas identifié à votre nature physique. Vous commencez à être identifié à une dimension qui n'est pas physique. Une fois que votre identité n'est pas physique, alors vous n'avez aucune façon particulière de faire quoi que ce soit. Vous allez faire les choses comme c'est nécessaire. Gentil, gentil, dur, dur, merveilleux, merveilleux, méchant, méchant, peu importe. Peu importe ce que la situation requiert, vous allez répondre en ce sens. Parce que votre identité ne porte pas sur vos processus physiologiques et psychologiques. Votre identité s'est déplacée au-delà des dimensions physiques de ce que vous êtes. Donc, vous avez une certaine liberté. Un comportement cultivé signifie que vous êtes figé d'une certaine manière. Ça veut dire que vous avez perdu votre liberté. À partir de votre liberté, quand il faut être gentil, vous êtes merveilleux. Quand vous avez besoin d'être méchant, vous êtes méchant. Quel que soit le besoin, vous agissez en fonction de ça. Vous conduisez en ce moment, comme il n'y a pas beaucoup de véhicules, des vaches, des buffles, toutes sortes de choses sont sur la route. Un groupe de buffles se trouve là. Si vous leur dites « s'il vous plaît, s'il vous plaît », ils seront juste comme ça. « S'il vous plaît ». Pas de réponse. « Hey !» Ils sont un peu... Prenez un bâton et dites « hey, hey !» Alors ils vont partir. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est « s'il vous plaît » que vous dites. Ce n'est pas que vous voulez maltraiter le buffle. Si le buffle comprenait les mots doux, vous lui diriez des choses douces. Mais il ne comprend pas. Il doit comprendre que vous ne l'aimez pas à l'endroit où il se trouve en ce moment. Vous devez lui faire comprendre qu'il ne devrait pas se trouver sur la route, que vous avez besoin de l'utiliser. D'une façon ou d'une autre, vous lui faites comprendre. Vous n'avez pas besoin de le frapper, vous devez au moins faire un peu de bruit. Autrement, il ne va pas bouger, parce qu'il ne comprend pas. Donc si vous gérez un enfant, vous le faites d'une manière, si vous gérez un adulte, vous le faites d'une autre manière, quelqu'un que vous connaissez, une manière, quelqu'un qui est nouveau pour vous, une autre manière. Notre comportement dépend de ce que la situation requiert. Maintenant, vous vous êtes figé, c'est comme ça que je me comporte. Même si la situation n'est pas propice à ça, vous faites les mêmes choses. À quoi bon? Toute action qui n'est pas pertinente pour la situation dans laquelle vous existez est une action qui n'a pas de sens. Donc, une activité figée
perd toujours son sens dans diverses situations. Il est très important de ne pas figer nos actions. Nous devons seulement figer qui nous sommes. C'est ce que... Vous savez, je ne suis pas du genre érudit, mais c'est quelque chose qui m'est resté. Krishna a dit, yoga staha kuru karmani. Établissez-vous d'abord en yoga. Cela veut dire, établissez-vous, pas dans votre individualité, mais dans votre union avec l'existence, et ensuite agissez. Ça veut dire, vous êtes absolument inclusif, ensuite faites ce qui est nécessaire, quoi que ce soit, ça me va. Sadhguru, la question suivante est de Shiv Prasad. Namaskaram Sadhguru. J'ai une question brûlante étant donné la situation actuelle. Ne brûlez pas. Si un chercheur spirituel n'est pas réalisé jusqu'au dernier instant et que la mort approche, que peut-on faire pour mourir consciemment? Que s'est-il passé? Shiva Prasad a le corona ou quoi? Je veux au moins mourir comme un yogi, bien que je n'ai pas vécu comme un yogi. Maintenant, vous êtes encore en vie, Shiva Prasad. Et votre nom veut aussi dire Prasadam de Shiva. Vos parents vous ont appelé comme ça en espérant, j'en suis sûr, que vous alliez devenir une bénédiction de Shiva. Avec un tel nom, vous devez en devenir une. Comme vous êtes encore en vie, il est temps de vivre comme un yogi. Si vous vivez comme un yogi, un jour vous allez mourir comme un yogi. C'est très simple. Pourquoi voulez-vous vivre autrement et mourir comme un yogi? Pourquoi? C'est comme... Non, j'évalue les sensibilités politiques et je choisis la bonne. Il y avait un homme politique républicain aux États-Unis. Toute sa vie, il a été républicain. Son père était républicain, son grand-père était républicain, et il a toujours été républicain. Mais maintenant, il est sur son lit de mort. Et il ne lui reste peut-être plus qu'un jour à vivre. Alors il dit, « Je veux souscrire au Parti démocrate. » Tous sont choqués. Comment peux-tu faire ça? Toute ta vie, tu as été républicain. Ton père était républicain. Ton grand-père était républicain. Comment peux-tu t'inscrire au Parti démocrate? Il répond, je préfère que ce soit l'un d'entre eux qui meure. Donc... Vous voulez mourir comme un yogi. Vous préféreriez que ce soit un yogi qui meure? Non, je vous en prie, vous êtes encore en vie. Donc s'il vous plaît, vivez comme un yogi. Vivre comme un yogi veut dire quoi? Sadhguru, ouais, la grotte, Sadhguru, je n'arrive pas à trouver ma grotte. Pas de grotte. Yogi veut simplement dire ceci, c'est quelqu'un qui a brisé la coquille de son individualité et est entré en union avec tout. Là, tout de suite, vous n'êtes pas capable de soudainement exploser et de parvenir à cet état. Mais vous pouvez définitivement commencer à réfléchir en ces termes. Vous pouvez mentalement changer votre identité là, tout de suite. Au lieu d'être une certaine caste, croyance, sexe, religion, race, vous pouvez devenir un yogi là tout de suite, au moins mentalement. Peut-être que votre corps ne va pas coopérer tout de suite.
Le corps demande un certain travail. Mentalement, comme le mental est plus agile, mentalement vous pouvez devenir un yogi là tout de suite. C'est-à-dire que votre identité devient universelle. Elle ne porte pas sur une religion, une caste, une croyance, un sexe, rien. Votre identité est universelle. Vous ne savez pas ce qu'est l'univers, peu importe. Énumérez simplement toutes les choses que vous n'êtes pas. Mon identité ne porte pas sur ma religion, mon identité ne porte pas sur ma race, mon sexe, ma caste, ma croyance. Dites-vous simplement ceci, vous n'avez même pas à le dire à qui que ce soit, parce que vous essayez juste de mourir comme un yogi. Donc, dites-vous simplement ceci, vous devenez un yogi. Le reste de ce que vous êtes pourrait suivre, ça va prendre un certain temps. Mais le mental est une partie agile, cela doit immédiatement faire volte-face. Donc maintenant, vous avez commencé à vivre comme un yogi. À chaque instant, vous vous rappelez, toutes ces identités limitées ne sont pas pour moi. Mon identité porte sur la création elle-même. Vous commencez à vivre comme un yogi. J'espère que vous n'allez pas mourir à cette saison. Parce que si vous mourrez à cette saison, les gens vont penser que c'est le virus. Non, vous ne devriez pas mourir à cette saison, tenez quelques mois, et ensuite, tout le monde est libre de mourir. Mais on ne devrait pas céder à ce fichu virus. S'il vous plaît. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuteshwaraya kala, kala, kaleshwaraya shiva, shiva Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhute kala, kala, kaleshwaraya shiva, shiva, sarveshwaraya shambho, shambho, maha shiva, shiva, sarveshwaraya shambho, shambho.